بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شير فريد سيد الأفوان دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nous voici à la fin du mois de Ramadan et cette période qui se termine justement par une fête, l'Eid al-Fitr. L'Eid al-Fitr, c'est vrai, c'est un moment de joie parce que Dieu nous a permis de l'adorer. On doit être heureux pour ça. Et que le jeûne est fini, on doit pouvoir bien manger, alhamdoulilah. Mais c'est aussi un moment de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est bon qu'au même moment où on doit fêter, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Premièrement, il est bon de savoir que ce jour de fête-là, c'est interdit justement de jeûner. Oui, c'est interdit de jeûner. On doit au mieux prendre quelque chose. Selon la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, manger de quelque chose avant d'aller à l'ère donc de la prière. Et puis, après la prière, vraiment, ça doit être la joie, la fête. Oui, mais en même temps, on doit respecter les interdits. Ce qui est interdit pendant Ramadan doit être interdit justement les jours de la fête et même après Ramadan. On doit vraiment insister sur ce fait-là. Que quand nous sommes abstenus de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux avec notre épouse légale ou notre époux légal, ce qui est d'ordinaire permis, cela pour plaire à Dieu, il ne convient nullement pas que justement après juste Ramadan, qu'on verse tout ça dans la poubelle en allant vers les interdits. Il nous revient que des gens, par exemple, après Ramadan, retombent dans l'alcool ou bien retombent dans l'adultère ou retombent dans les interdits de Dieu. Alors que Ramadan n'est pas une parenthèse où on comprime justement des passions ou des pulsions. Et juste après Ramadan, on déchaîne tout cela. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ramadan nous aide justement à pouvoir corriger les imperfections qui sont les nôtres et à pouvoir justement cheminer davantage dans cette lumière que Dieu nous a permis d'avoir avec nous pendant Ramadan, justement en évitant ce qui est interdit et de pouvoir nous engager davantage dans ce qui est recommandé. Effectivement, on doit pouvoir rendre visite aux gens, accueillir des étrangers, mais en même temps qu'il nous est interdit de boire de l'alcool, on ne doit pas offrir de l'alcool là aux autres. Ce qui n'est pas bien pour nous, on ne doit pas l'offrir aux autres. Donc c'est bon qu'on sache que c'est un jour de fête, oui, mais les limites de Dieu sont à préserver. Que Dieu nous aide dans ce sens-là et renforce la joie, c'est-à-dire la cohésion et la paix, la sécurité dans notre pays pour tout le monde, au bénéfice justement de toute la nation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce sens-là. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaykum.